Alors aujourd'hui, je vous propose un dessert ultra rapide à réaliser. C'est un basique, c'est un gâteau au yaourt, tout simple, avec des copeaux de chocolat dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc c'est Souren qui va faire la recette. Vous allez voir que la préparation est réalisée en 5 minutes. Juste le temps que la tipounette qui est juste ici me laisse en répit avant de râler pour que je la prenne dans les bras. Alors, Souren, tu veux bien nous dire quels sont les ingrédients nécessaires pour cette recette ? Du yaourt nature. Du yaourt nature. De la farine. De l'huile. Du sucre. De la levure. Des grosses pépites de chocolat. Et 3 œufs. 3 œufs et du sucre vanillé. Alors en effet, j'ai reçu des chocolatiers Castellane, ces pistoles de chocolat que nous allons utiliser pour la recette. Alors pour démarrer, on va insérer dans le robot le couteau pour pétrir concassé. Comme d'habitude, vous pensez bien à le tenir par le petit embout afin d'éviter de vous couper. Donc Souren, tu es un petit peu loin, tu vas prendre le yaourt, tu vas l'ouvrir. Voilà, et avec la cuillère, tu vides l'intégralité du pot dans le robot. Ok, donc maintenant, je vais te laisser aller chercher une cuillère propre. Très bien, donc maintenant tu vas mettre 2,5 pots de farine dans le robot. Donc avec la petite cuillère, sans en mettre partout, tu vas remplir une première fois le pot. Oui, mets-toi au-dessus, c'est une bonne idée. Sucre dans le robot. Donc là c'est plus simple, tu n'as pas besoin de la cuillère. Et tu vas mettre le sucre vanillé. Les 3 œufs. OK. La levure. Et un demi-pot d'huile. Un demi-pot d'huile. Un demi. Je pense qu'on a tout mis, il ne manque plus que les pépites, mais on va les mettre après. Donc tu vas refermer le robot via le couvercle, la flèche vers la plante. Voilà, tac. Alors maintenant, hop, vitesse. Vitesse. On va mettre 5. Et le temps, 2 minutes. On va voir si ça suffit. Oula, t'es parti trop loin là. Allez, 2 minutes 30, c'est bien. Tu démarres. Et pendant ce temps-là, on va tout ranger. Incorporer le chocolat. Alors Souren, si tu veux bien ouvrir ce joli sachet et on va goûter ces pistoles au chocolat.
Vous retrouverez toutes les informations sur les chocolatiers Castellane en barre d'informations, les codes promo, etc. etc. Merci. Elle est où, maman? Elle est là. Alors? Très bon. C'est chocolat noir. Hein? Ouais? On met ça? Oui. Allez, c'est parti. Donc, on va ouvrir le robot. À l'autre sens, voilà. Et tu vas mettre. J'ai la pitounette qui s'impatiente. Allez, verse directement. Tout pas tout, non, je pense pas. Et là, on va mettre une vitesse bien moindre afin de ne pas complètement éclater et rendre en bouillie le chocolat. Donc vitesse 3, je pense que c'est pas mal. Et on va juste mettre 30 secondes. Même pas, peut-être 20 secondes suffisent. 20 secondes, allez. Vas-y. Hop, pendant ce temps-là, vous prenez donc votre moule. Celui que vous souhaitez. Alors évidemment, Soren a choisi le nounours. Notre moule est très très vieux, même si c'est un moule silicone, donc on va être obligé de le graisser un petit peu afin que le gâteau n'accroche pas. Mais sinon, en règle générale, vous n'avez pas besoin, hein. C'est le principe même des moules en silicone. Pas besoin d'ajouter de la matière grasse, donc tu verses une petite goutte. Voilà, et avec le pinceau, tu tartines. Pauvre petit bébé. Où je suis, la Soren? Allez, bien partout. Moi, je crasse énormément. La dernière fois, j'ai tellement crassé. C'était trop facile de tomber. Une fois que vous avez préparé votre moule, vous allez verser la préparation dedans. Vas-y Soren, tu peux insérer dans les petites encoches. Après avoir préchauffé votre four à 180 degrés, vous allez mettre votre gâteau à cuire 30 minutes. Vas-y, tu peux fermer. On va le mettre en chaleur tournante. C'est super bon. Bien moelleux.